Is that you, man? Man, you scared the shit out of me, nigga. Rage came from simply... Yeah. I lived in England for... Rage vient du fait que moi, je suis arrivé en Angleterre à l'âge de 19 ans. Quand je suis arrivé en 85, à l'âge de 19 ans, j'avais pas l'intention de faire du cinéma, mais je suis tombé vraiment, c'est une histoire d'amour, comme un coup de cœur finalement, le cinéma. Et ça vient du fait que je me voyais pas à l'écran, et ce que je voyais à l'écran, les personnes qui me ressemblaient, les noirs à l'écran, c'était vraiment, on était plus dans le stéréotype, on était plus dans quelque chose de dangereux finalement, puisque cela créait un archétype du noir. J'étais fatigué de voir des films sur l'Afrique, de gens qui étaient principalement blancs, qui faisaient des films sur l'Afrique en ayant étudié l'Afrique, comme les études postcoloniales sur l'Afrique, mais en étudiant l'expérience africaine, comme si c'était une expérience qui était datée, qui était passée. Or, l'expérience africaine, c'est une expérience vivante, elle est actuelle. Et donc cela m'a finalement convaincu qu'il n'y avait aucune volonté d'avoir un cinéma en Angleterre qui parle de cette expérience noire. Je ne suis pas le réalisateur le plus doué d'Angleterre, mais j'étais convaincu finalement que pour faire mon cinéma, il fallait que je trouve d'autres méthodes et d'autres moyens de faire mon cinéma. Le challenge était donc de réunir des amis, des techniciens pour se lancer dans ces projets. Donc on a fait On the Edge et juste ensuite on a fait Rage. Moi, en tant que cinéaste, je pense que après 6-7 courts-métrages, 3 longs-métrages de fiction, j'essaie de comprendre en fait, au final, ce que c'est que la nature humaine. Et dans mon peuple, les Igbos, on dit que si on veut comprendre l'essence d'un arbre, il faut aller regarder ses racines. If only you would take things a little more seriously. Don't pat the boy on the back and slap him in the face in one breath. Well done. See you at home later. Donc les cinéastes, c'est vrai que la plupart, je pense, regardent plutôt la branche que la racine de l'arbre. Mais maintenant, moi, je regarde la racine et quelle est l'impulsion. Et je regarde aussi qu'est-ce qui permet cette impulsion en termes philosophiques et intellectuels. Et j'espère que c'est ça qui résonne. J'espère que c'est ça qui résonne finalement dans les films que je fais.